Hergé m'a dit quelque chose de merveilleux lorsque j'avais peut-être 40 ans, hein, 35, je ne sais plus. Il m'a dit Jean-Pierre, c'est merveilleux, tu n'as jamais démythifié mon personnage. Donc il était très heureux. Et c'est lui qui m'a, si je signe Tintin, c'est parce que Hergé m'y a non seulement autorisé, mais invité. Nous avions beaucoup d'estime l'un pour l'autre. Il y a une photo merveilleuse de Paris Match, prise avant le tournage, en promotion. Hergé et moi, nous sommes sur le trottoir de Boulogne-Billancourt, et on voit dans le regard d'Hergé et dans le mien beaucoup d'intimité, beaucoup d'orgueil, aussi beaucoup de fierté et un grand respect mutuel. Voilà. C'est celle-ci ? C'est celle-là, oui, voilà, c'est pas bien, c'est génial. J'ai bien choisi. Ça vous donne l'occasion de travailler avec les producteurs. Effectivement, dans le premier film, il y avait quand même Charles Manel, Dario Moreno, Marcel Bozzuffi et George Wilson, le père de Lambert. Donc, c'est un grand casting. Et alors, heureusement, je n'avais pas grand-chose à dire. Mais je connaissais mieux Tintin que le producteur et que le metteur en scène. Parce que bien souvent, je disais, voilà, on tournait le plan 522, je crois que Jean-Pierre Carrida du Ménel. Ah oui, d'accord, mais moi je crois que Tintin ne ferait jamais ça. Ah bon, mais c'était écrit. Ben, c'était écrit, mais moi je vous dis qu'il me semble que, vous faites ce que vous voulez, hein, ça ne colle pas. Ils discutaient une demi-heure entre eux. Et qu'est-ce qu'il ferait, Tintin, alors? Ben, il ferait tout simplement ça, il dirait ceci, il dirait cela. Et chaque fois, mon avis faisait autorité. Donc, deuxièmement, j'avais 16 ans, et George Wilson, directeur du Théâtre National, Palais de Chaillot à Paris, successeur de Jean Villard, on s'est très bien entendu, mais dès le début, j'ai senti qu'il voulait me bouffer. Enfin, mais moi, je m'en fiche qu'il me bouffe, mais il ne pouvait pas bouffer Tintin. Moi, j'étais responsable de Tintin. Et il aurait joué Jean-Pierre. Enfin, Tintin, la caméra étant là, il m'aurait poussé. J'ai dit, mais... Hey, je lui dis, Georges, la vedette, c'est Tintin, je lui dis. À 16 ans, José. Hein. Et alors, le metteur en scène, oui, Georges, justement, je voulais un peu t'en parler. Et finalement, tout s'est très bien passé. Quand on dit les choses franchement, on est honnête. Mais il jouait bien, il devait continuer à avoir de l'ampleur et du volume. Mais pas pour moi. Pas pour moi, je m'en fichais d'être célèbre ou pas. Alors c'est assez terrible parce que il y a une osmose qui s'est créée à partir du moment où Hergé me reconnaissait pour Tintin. Le public, il ne voyait plus Jean-Pierre. J'étais Tintin. Même ma fille, elle avait 6 ans, 5 ans et demi, elle apprenait à lire, elle avait sur ses genoux Objectif Lune, on a marché sur la Lune. Et elle m'interpelle, papa, comment t'as fait pour aller sur la Lune? Ah oui! Béranger, ça c'est le dessin d'Hergé, c'est Hergé. Mais si, c'est toi, regarde. Imaginez que si même ma fille me prend pour le vrai Tintin, le public me prenait pour le vrai Tintin. Et encore maintenant, peut-être pas l'un d'entre vous, mais ça arrive souvent, ça m'est arrivé hier encore. Oh, monsieur, ils savent comment m'appeler, monsieur Jean-Pierre, Tintin, monsieur Talbot. Ils ont la chair de poule, ils ont les larmes aux yeux. Vous m'avez fait rêver, mais ça me fait quelque chose. Hein. Je suis obligé de faire avec. Moi, je suis Jean-Pierre Talbot. J'ai incarné Tintin au cinéma. Il y a une osmose qui s'est faite. J'ai vécu en tant que Jean-Pierre, mais Tintin a influencé ma vie. Et lorsque je monte sur un terrain de tennis, j'ai fait 17 interclubs au mois de mai et juin. Je suis encore classé 31 et j'ai fait 17 interprètes, mais jamais je n'oserais annoncer, même dans le doute, ce sera toujours en faveur de l'adversaire parce que Tintin fait ça, ça claque. Hein. Alors que normalement, tout le monde, même les plus honnêtes, quand on ne sait vraiment pas, j'étais obligé. Quelque chose qui plane, tout ça. Alors j'étais dans le bon journal, pris le judo pour le film. 2 ans et demi après, j'étais présélectionné équipe nationale belge en judo dans les voies légers. Donc je faisais les tournois internationaux. Et alors, Tintin, mais c'était obligé de me donner, hein, c'est terrible. Enfin, c'est quelque chose de ce qui m'est arrivé. Et ma vie sans Tintin est déjà belle. Alors en plus avec Tintin, et en plus je vous vois là, quel bonheur.
Encore une question. Attention, Patrick, t'es prêt, c'est à toi. Allez, encore une question, alors. Personne, vous êtes gêné. Et au point de vue sportif, pour faire toutes ces plongées, ces cascades et tout ça. Ah, bah écoutez, la plongée sous-marine, c'était une heure d'apprentissage, piscine moniteur à Paris. Ah. Une demi-heure. C'est facile. Tant qu'on ne va pas à 30 mètres. Oui. Moi, j'allais où la couleur restait, donc à 6-7 mètres max. Donc, qu'est-ce que c'est respirer dans un. Savoir enlever le bac, le remettre, et puis. Là, même s'il y a un grave, on est vite au-dessus. Donc ça, c'est une demi-heure d'apprentissage. On m'a appris le judo. Là, effectivement, oui, parce pendant toutes ces bagarres, avec mon professeur de judo, on a construit les bagarres, et je choisissais les mouvements et tout ça. C'est bien. Oui. Est-ce que vous avez été doublé? Jamais. Non, jamais doublé. Le vrai Tintin. Non, Tintin, jamais. Parce que la descente de la tour... Je me réjouissais, hein, parce que dès que ça bougeait, moi j'imprimais un film. Hein, je ne parlais pas beaucoup, mais il dit 26 derrière. Hein, la caméra, et c'est ça qui a donné la vie au film, surtout. Hein. Donc j'arrive tout content pour finir la descente de la tour. La tour de Galata, elle est déjà bien haute, je ne sais pas combien de mètres, mais plus qu'un building. Elle est sur une colline, ça donne encore de l'impression quand on regarde au-dessus. Et alors, j'arrive, pressé, un peu énervé quand même, et je vois deux gars qui avaient mes habits. Et je demande au producteur, mais qu'est-ce que c'est que ces gars-là, ils sont... Ben, tu vois, Jean-Pierre, un peu embêté, le producteur. Les assurances ne veulent pas que tu fasses ça, c'est trop dangereux. Non, c'est pas question. J'ai été choisi parmi des milliers de concurrents pour être Tintin, que le jour où je veux l'être tout à fait, voilà qu'on me l'interdit, pas du tout. Descendre, c'est facile, je sais le faire, je veux le faire. Et alors, un seul plan, trois caméras, fait. Descendre, c'est facile, monter, ce serait plus dur. Par contre, j'avoue, lorsque j'ai dû enjamber, j'ai vu. Ah, il faut le faire. Et là, j'avais pas de protection, rien du tout. Hein. Une fois que je suis de l'autre côté, là, je peux m'agripper, c'est pas grave. Hein. Mais enjamber, là, dans quoi tu t'es en. Vas-y, vas-y, Tintin. J'ai pensé, vas-y, Tintin. Alors, Milou, il n'est pas descendu la tour, il n'a pas été doublé. En fait, Milou, il y avait 7 Milou. Mais, ben oui, on ne peut pas demander, on pourrait demander à lui d'être joyeux, d'être triste, pleurer, mais on ne peut pas demander à un chien. Hein, d'être agressif ou fatigué. Hein. Alors, le Milou numéro 1, c'est celui qui a été utilisé presque tout le temps. Et il était dressé pour vivre dans un rayon de 2-3 mètres autour de moi. J'avais participé au dressage, comme noble du dressage, pas comme acteur du dressage. Hein. Donc, voilà. Et en plus, le dresseur était toujours caché dans le décor avec un œil en caméra pour rappeler Milou. Et alors il y avait un Milou qui était beaucoup plus lymphatique, ça c'est quand Milou était triste ou fatigué. Alors un Milou a fait la pirouette à rouler pour étouffer la mèche, et un autre pour me sauter dans les bras. Plus deux ou trois pour les assurances. Mais le fox à poil dur, un, RGL belge, deux, Jean-Pierre Calvoy belge, trois, Milou Gavin Chenil belge, près de Stockel en Belgique, près de Bruxelles. Donc, Milou, les fox à poil dur ne sont jamais entièrement blancs. Moi, je suis blond, vrai. Mais Milou, les fox ont toujours une tache grise et une tache brune. Décolorée, chez Elena Rubinstein, venue Boubourg Saint-Honoré à Paris. Voilà. Et alors, il y a une photo de Paris Match qui est parue, il y avait Milou sur un siège, Claudia Cardinal et Jeanne Moreau et moi. Bien entouré. Hein. Et alors, toutes ces gentilles dames me donnaient de gentils bisous sur le front. J'étais charmé. Mais t'es jeune? Ah ben, j'avais 16 ans, je ne connaissais pas la vie. Non, tourner en France, c'est en... Non, tourner en décor naturel, donc en Grèce, en Turquie, et deuxième film en Espagne. Avant de clore, mon plus beau souvenir tintinesque. À l'époque, le service militaire était obligatoire. Donc, en 64, je fais mon service militaire et mon bataillon est désigné pour présenter les armes et les honneurs
à Liège, près de chez moi, je habite à Spa, j'étais casernier à Spa, et c'était le roi des Belges, le roi Baudouin, qui naît avec un, je ne sais plus si c'est le roi du Danemark ou la reine d'Angleterre, un souverain, je ne sais plus lequel, j'ai oublié. Et lorsque le roi avait déposé au monument aux morts les fleurs, à 10 heures, les enfants des écoles étaient là à 9 heures et les soldats étaient là à 8 heures du matin, pour ne pas être en retard. Alors, on était là en place repos. Il y a eu un soldat par image, etc. Ils étaient venus à la caserne. Bref, c'était vraiment les années splendeurs, Tintin. J'avais un béret, une mitraillette, et les enfants des écoles. Et on dit, c'est Tintin, c'est pas Tintin. Alors moi, j'avais peur d'être puni parce que, comme dans la vie, il y avait des gradés qui voulaient me faire bénéficier d'avantages que je ne sollicitais pas. Et un autre, parfois, « Ah, mais lui, Tintin, j'ai bien vu, hein, sans le travail, il était à l'envers, j'étais resté... » Voilà, des couillonnades comme ça. Mais moi, je ne savais dans quelle attitude...